Le film que vous allez voir est né sous une bonne étoile. Beyrouth, 24 mars 1977. Cher Joseph. Je t'écris à quelques instants de mon départ. Je posterai sûrement cette lettre à mon arrivée en Suisse. Ainsi, nous voyagerons un peu ensemble. Il me sera peut-être moins douloureux de retrouver mon pays natal, que j'avais été si heureuse de quitter. A tavola! Arrivo. Grazie. Mademoiselle Delaloy, vous trouverez ci-dessous une proposition de travail au sein d'une famille recommandable. La famille Weiden de Fribourg. Mademoiselle Delaloy, la famille Gibran à Beyrouth.
Bienvenue au Liban. Puis-je vous orienter? Oui. Alors, Julian Ashrafi, suivez-moi. Alice. Bonjour. Je suis désolée, je ne comprends pas l'arabe. Excusez-moi, je peux vous emprunter le sucre? Oui. Joseph Armage. Enchanté. Alice Delaloy, enchantée. Et vous ne parlez pas du tout l'arabe? Pour votre première leçon d'arabe, nous allons étudier le vocabulaire de ce poème que j'ai trouvé, si cela vous convient. Oui. Bisama baladi, kawakeb nujoum ktir. Bas ana ma shift b'omri, al jamal swissrani al ard kella, ma elo masil. Bis sama launa bayir.
في نجمي عم بتضوي وأنا لوحدي دايخ كتير منورة سحرني عبالي معي كمشي بالطريق عالسما تودي حطي إيديك بإيدي والليل نهار حد يخليكي Les sonorités sont belles. De quoi cela parlait-il exactement? Ça s'intitule « Qu'ils sont beaux, les cèdres du Liban ». Ce c'est un poème sur la nature. Ici, on voit la nébuleuse d'Orion. Et là, la grande galaxie d'Andromède. En revanche, je ne trouve pas la Suisse. Vous savez ce que vous allez faire quand vous aurez terminé votre mission? Vous comptez retourner vivre dans votre pays? C'est dur à expliquer, mais je n'ai pas l'impression que ma place soit là-bas. Je vais peut-être voyager un peu dans la région si je ne trouve aucune raison de rester ici. Et vous? Pas des rêves de voyage? Si. Mais pas sur Terre. Ah. Vous allez penser que je me moque de vous. À l'université, avec mes collègues, je suis en train de travailler sur un projet de fusée. On est encore au début des recherches, mais j'espère un jour envoyer le premier Libanais dans l'espace. Vous trouvez ça farfelu? Mais non, non, au contraire, je comprends très bien. Votre fusée? Oui. Quand elle sera prête, vous m'inviterez à son lancement? Oui. Sì, sì, ha un buon lavoro. È un professore. Non è possibile. Non c'è niente da discutere. Ci parliamo in francese. Devi tornare in Svizzera. Eravamo no, non c'è bisogno. E comunque credo di non tornare a casa per un bel po'. Mimi, je te présente Alice, ma fiancée. Mimi, ma petite sœur. Enchanté. Tcharafna. Attention, on nous a signalé la présence d'une Suisse dans le quartier. Et on nous avait pas menti, là, je, voilà. Je ça. Bienvenue, Alice. Georges, mon frère. Bienvenue dans la famille. Merci. Et Amal, ma belle-sœur. Bonjour. Vous avez le teint d'une poupée. Comment trouvez-vous Beyrouth? C'est magnifique, non? Je suis tellement heureuse pour votre mariage. Il faudrait que vous passiez à la maison. On s'occupera des préparatifs. Mahek Numi. Akid. Mettez-moi bien au Allah. Ahlachi Badene. Non, Habbaadma. Ou Allah Ba'alunkon. Josomara. Il a l'abad.
0. Bravo, papa. إذن وبدون أي شك العالم كله عم يتطلع علينا ويسأل هل رح يقدر اللبناني يمشي قريبا على القمر؟ يلا عبالك يا توت ماما عبالك يا قلبي عبالك يا ماما جوزيف احكي لها كلمة اخرى تركية عبالك ميمي كده وقتي عبالك مبروك منى عن جد مبروك كتير اللي بينا بعض غير شكرا يلا يا بابا Déception chez les politiciens. Le secrétaire d'État américain Kissinger achèvera sa tournée au Moyen-Orient sans passer par la case Liban. Dans la suite de l'actualité de ce dimanche 13 avril 1975, c'est une journée mouvementée au Liban. Ce matin, une voiture a ouvert le feu sur la foule et cet après-midi, sûrement en représailles, un bus a été mitraillé à Ain Rmene, dans la banlieue sud, causant la mort d'une trentaine de civils. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, c'est loin. C'est officiel, on parle de second round dans la série des troubles qui secouent notre pays. Depuis plusieurs jours, les combats de rue se multiplient en périphérie de Beyrouth. Hier soir encore, une fusillade a causé la mort d'une quarantaine de personnes. C'est dans la surprise générale que vient de débuter ce troisième round. Le centre-ville de Beyrouth est toujours épargné, mais les affrontements dans les quartiers sensibles prennent désormais la forme de bombardements aveugles et arbitraires. Heureusement, la formation du nouveau gouvernement devrait permettre de confirmer la trêve estivale espérée par tous. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester encore un peu avec nous? Non, au moins pour quelques jours. On doit rentrer. Pour une fois que Georges n'est pas à Dubaï. Mona doit étudier pour son examen au conservatoire.
Elle a l'air plutôt bien ici. Viens là, à table. À table. Adbou, adbou. Hawa. Très, très fort. Yalla, yalla. Le festin de ma femme. C'est pour ça que je me suis marié avec elle. Quelle belle fassoulia, genre. C'est tous les fassoulia. On a trop tardé. On va encore rater le début des rois maudits. Le comité national du dialogue, lancé par le gouvernement suite aux troubles de ce printemps, doit se réunir demain. À cette occasion, le Premier ministre a déclaré être optimiste, je le cite, à 50,01%, ça va commencer. C'est plutôt encourageant. Malgré tout, les combats ont repris dans le nord du pays, comme en témoignent ces images. Non mais maman... C'est pas un peu fini, vous allez abîmer le poste. Tu ne veux pas t'asseoir avec nous? Inta. اكبر راس انا اكبر راس ولا انا سيداتي وسادتي سنبدا الامتحان وسنبدا مع مادموازيل منى عمر ستعزفوا لنا فالس numéro 15, opus 39, Les Brahms. C'est original, mais vous ne pouvez pas non plus adapter le morceau comme vous voulez. MT? Yeah. L'année prochaine, vous représentez, hein? Tu étais parfaite sur scène. Il faut que tu continues à écrire des chansons. Au revoir. Au revoir. Tu espérais quoi? الالكترونيك موجود بالراس خلاص والمحرك كمان شو تسيتشي
Walid. نعم نعم بروفيسور عمار شوفي ايا مستشفى ميرسي ماما écoute oui je sais ne t'en fais pas je vais les chercher pour la première fois depuis le début des événements le centre-ville de Beyrouth est la cible d'une série de bombardements. Mestachev Saint-Georges. وزارة الأشرفية، فض الممرات، فض الممرات. جوزيف، واليد a été blessé à la jambe. Mais ça ira. Les médecins s'occupent de lui. Tu as besoin de quelque chose? Non, ça va. Je vais dormir un peu. Je ne pouvais pas dormir. Allez, Bennett, je peux juste rester le temps que ça se calme. Qui va dormir à côté de moi? Moi. 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 Pas sur mon lit. Oh, mon téléphone. Yalla. Hé, George, c'est un très vieux. C'est plus prudent. Badan, on va faire la halle avec le bête. Que j'en emmène, je vais seulement aller. T'inquiète pas, j'ai tout fermé. Oui, 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 même les volets. Je suis bien là, Kalla, George. المهم انت انتين جاية لحالي انا هون مع الولاد طيب تبع حالك ميمي يي انت هون حبيبي كيفك بونسوار اليس بونسوار tu aurais vu la boutique tout un mur par terre ça te dérange pas si on reste le temps que ça se calme bien sûr oui bien Pardon, juste... Cela, j'avais pas le cœur de les laisser à la boutique. Alors, bon, je me suis dit... hein? Voilà. Merci. C'est fini? Oui, merci beaucoup. شو في حين وتال؟ بس انت لحالك بدك شويه تمام انت مانك جايين دايما بتحب تنكت علي جرب صحن هالتخت لنشوف طيب جربوا شيء وهالطاوله Il n'y a plus rien. Ne te fatigue pas. Oui.
On prend déjà beaucoup de place. Ça ne vous embête pas? Ne t'en fais pas. Il est juste un peu fatigué. Tu viens nous aider? Oui. مش وقتها هلا انا ورقي مسكر بس انا كمان شو منك هين على السريع نزلت ما عم يطلع لي ولا ورقه مثل الخلق شو دوري يلا دورك هذا ايوه لا هيدا ما فيك تنزل La sonde soviétique Venera 9 s'est posée sur Vénus. Pour la première fois de l'histoire, vous allez découvrir des photographies prises depuis la surface d'une autre planète. Sur ces images, mes chers téléspectateurs, nous vous souhaitons une fin de soirée paisible et, je l'espère, à l'abri. Il fallait s'y attendre. Ce 11e cessez-le-feu n'aura pas duré plus de quelques jours. Nous vous conseillons d'éviter la rue de Damas ainsi que le quartier des grands hôtels, théâtre de sanglants combats. Exceptionnellement, ce 15e cessez-le-feu semble se prolonger. Mais prenez vos précautions si vous souhaitez vous balader sur la corniche pour savourer la douceur des températures automnales. Depuis ce matin, toute sortie est vivement déconseillée aux alentours de la place des Martyrs. En dépit du 15e cessez-le-feu, les francs-tireurs embusqués visent les passants dans le but de provoquer une flambée de violence. Le fer approche et Beyrouth se laisse gagner par la peur. La violence n'épargne aucun quartier. Seul un sursaut, chacun d'entre nous pourra mettre fin au drame que traverse notre nation. C'est pourquoi je vous invite à profiter de ce 20e cessez-le-feu pour rejoindre la grande manifestation organisée demain en faveur de la cohésion nationale. الآن في بقاهم. Je vais me coucher. J'arrive. Je ne vous demande jamais rien. Mais s'il vous plaît, faites que ce conflit cesse. Je vous en prie, redonnez-nous notre vie d'avant. Dieu de notre pays, Dieu de protestants, des druzes, des chiites, des sunnites, des alaouites, des ismaélites, des melkites, des catholiques romains, des maronites, des Grecs orthodoxes, des Grecs catholiques, des apostoliques,
des Assyriens, des Syriaques orthodoxes, des orthodoxes, des Coptes, des Arméniens, des Chaldéens, des Juifs, des Hindous, des Bouddhistes. S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Il veut retourner à Ithaque en 6 lettres. Ulysse. On y croise un monde fou en 5 lettres. Un monde fou. Asile. Oui. C'est beau. Faites attention où vous mettez les pieds. Ben, il faut qu'on joue à Fézès Belad. Tony, please, j'ai ma kinselan. Je suis sûre que Selim va bien. Qu'est-ce que t'en sais? ما تقول انه جاي يخبركم اخبار عاطله. خيي بيقول مفرار ما دي انه في ميليشيا عم تبرم بهالحي، بفوتوا على البيوت وبيحرقوا كل شيء، المكاتب والصور والسوفينير اللي عندكم كله بيحرقوه، ما بيخلوا لكم شيء بتحبوه بيحرقوه. بقى والخبريه هالمره مظبوطه جايه من سون فوازان اللي هو بوليسيه، بقى انتبهوا وما تفتحوا لمين ما كان. لروح خبر بقيه الجيران. ميرسي 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 ريموند، باي باي. Chou, encore une nouvelle rumeur propagée par Radio Raymond, eh? Là! Là! Je suis venu à la dernière fois que nous avons pris le maïs de la Syrie. La pauvre! La habibi, elle était à la radio. Tu ne penses quand même pas que Raymond a raison? J'en sais rien. Ils sont tous devenus tellement fous.
c'est invendable. Tu veux pas refaire des paysages ensoleillés? Ça se vend mieux, le soleil. Je dis ça pour toi. Moi, je ferme la galerie. On prend l'avion pour Paris ce mardi. Paris? Mais pourquoi? Après toi? Le pays n'existera sûrement plus dans une semaine. Et Selim, t'imagines qu'il va trouver un travail dans ce grabuge? C'est sûr que si personne n'a le courage de rester. Pardon? Au revoir. Je souhaite aller au festival de Baalbek pour voir des Miss Roussos. Je pensais à Mona. C'est dur pour elle. Je l'ai jamais vue comme ça. Elle va tenir le coup. Elle est forte. Selim reviendra quand tous les problèmes seront terminés. Mais nous, on pourrait partir pour la Suisse. Le temps que les choses se calment. T'y as pensé? On est mieux ici. Je te promets. Je souhaite que toute la famille visite l'espace à bord de ta fusée. Je souhaite voir la fin des rois maudits. Je souhaite une deuxième salle de bain pour la famille. Tout à fait d'accord. La bleue ou la blanche? Blanche. Une orange. Oui, toujours le même. Ah, l'étoile. Allô? Allô, je vois Selim. Arrivtak à mon jour. Oui, il est arrivé à Paris. Ah, bravo. Vous serez ensemble bientôt, Inch'Allah. Oui, j'espère. Ok, arrivé. Bon, je t'embrasse.
Allô? 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 Joyeux Noël! Joyeux Noël, habibiti! ما يفتحوا المطار حياتي بس ما يفتحوا المطار لو فيي كان جيت سباحة يلا تنو مانك حياتي الو الو جورج ما عم بسمعك ايش شو لا حياتي شو لا انت منيح ايه كل شي منيح كل شي منيح حياتي يا بنات ما تكبروا بسرعة ها ايه ايه اكيد اكيد وفادي عم تدرس اما عم بتطحنك الو الو امل امل ما عم بسمعك بلد خرا Étranger, la ligne verte qui divise notre capitale s'installe dans tous les esprits. Dorénavant, chacun parle de Beyrouth Ouest et de Beyrouth Est, comme si nous nous préparions déjà, sans le dire, à la fin de toute vie en commun. Si un plat de hummus pèse 500 grammes et que chaque adulte on mange 250 grammes. Combien faut-il de plats pour une invitation de 15 personnes? Vous avez 2 minutes. Un phagique et dentaire. Aïdé, une beltra, qu'est-ce que tu as? Mais le salon personnel, t'as pas rien. Et où est l'aslié? Où est l'aslié? Aïdé, qu'est-ce que tu as? Mais tu as une bonne chose. Une minute. Peut-être. Ça peut être que le stock. أنا بوصل لك إياهم على البيت هلا. فكرة. نمشي؟ يلا. دكور. دكور. أون يو. يعطيكم العافية صبية. إذا في فدية لازم ندفعها ونبارتيسيبها توس بيع كل سيغتي دهبياتي منرجعه ما هيك جوزيف؟ أكيد يومين منلاقيه شو هالبلد فادي كان بفان بلو وراح يوصل البضاعة لزبونة بجميزة كان لازم يرجع على العشاء أي ساعة ظهر من البيت؟ Est-ce que vous vous souvenez؟ Oui, 5h de l'après-midi, 5h30 au maximum. طيب بدي أطلب منك ما تظهري من البيت ولا تجربي تنقشي عليه وبس يصير عنا أي شيء دغنا نحن منعلمك مفهوم؟ وي تمضي لي هون على كعب الصفحة
Et après presque un an de conflit, nous en sommes là, impuissants, avec 3 armées, 2 polices, 22 milices, 42 partis. Nous sommes médiocres, même dans le mal. C'est dans ces conditions que les parlementaires se réunissent demain, Villa Saïli, pour tenter de rendre possible l'élection d'un nouveau président. Nous devons trouver la force d'espérer qu'ils parviendront enfin à se mettre d'accord. J'ai quelque chose à vous dire. C'est important. Je vais rejoindre Salim. Je vais partir pour la France. Mais avec la paix qui va revenir d'un instant à l'autre, il ne peut pas plutôt rentrer lui. Il a son travail là-bas. Mais non, c'est pas possible. Et comment tout ferait pour y aller? Son oncle Amine part en voiture pour Paris la semaine prochaine. J'irai avec lui. Mais tous ceux qui reviennent de Paris disent la même chose. C'est hors de prix la France. Tu connais le prix d'une paire de chaussures? Pas moins de 300 francs. Et c'est là-bas que tu veux aller? Surtout, les Français sont très peu hospitaliers. Mais oui. Il paraît qu'ils jettent les Arabes dans la Seine. Oui. Pourquoi je resterai? De toute façon, ma décision est prise. Tout est organisé. Sa mère pourra nous héberger pour quelques semaines. Je suis désolée. On va confisquer son passeport. C'est plus prudent. Moina n'est plus une enfant. Et elle a raison. Mais... ce n'est pas un endroit pour les jeunes en ce moment. Mais comment tu fais? Si tu l'empêches de partir, elle va chercher à le rejoindre. Elle va couper les ponts avec nous. Elle est amoureuse. Tu sais bien. Elle reviendra quand toute cette folie sera derrière nous. Elle reviendra. Au revoir, Mona. Tu vas nous manquer. Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi nous avons... pourquoi tu as laissé partir Mona. Tu pensais sans doute bien faire. Mais tu ne te rendais pas compte que... si nous cessions d'être unis... Cher Joseph, je pars sans regret. Tu dois penser que je t'en veux encore d'avoir laissé partir Mona. Mais tu te trompes. C'était la bonne décision à prendre. Et je l'ai très bien vécu. De toute façon, j'étais bien trop occupée pour que Mona me manque. Je dessinais comme je ne l'avais plus fait depuis des mois. L'élection du nouveau président nous promettait une fin rapide au conflit. Raymond avait cessé de s'inquiéter de toutes ces folles rumeurs.
Mimi semblait avoir des pistes pour retrouver Tony. Fadi grandissait et devenait un homme. Fadi! Bonjour, maman. Chalaraf. Mais c'est dommage, Kamal ait préféré partir à la montagne. Attendre le retour de Georges, loin des tentations de la ville. J'ai aimé. Albé. Y'allez, Vanette. En tout cas, à aucun moment, je n'ai perdu espoir. À n'en pas douter, le lundi 15 novembre 1976 restera gravé dans l'histoire du Liban. Après 18 mois de conflit, une paix durable vient d'être conclue grâce à l'intervention de notre grande puissance voisine. Cette coopération entre nos pays ouvre la porte à l'ère de la main tendue et de la reconstruction. Une tâche à laquelle veillent déjà les forces du maintien de la paix, chargées de garantir sécurité, confiance et stabilité à la population libanaise. بروفيسور أمر تفضل معالي الوزير ناطرك مرحبا مرحبا شرفت بمعرفتك شو رجعنا هيك الهيئة لأنه بلشت حضر شوي ما بعرف حفرجيك فكرت انه هون فينا نكبر القعدة اكبر ونزيد محل اكتر هون تنترك مسافة للمحرك ايه زدتها شوي بالعكس لكن خليني اقترح عليك مسافة بعد اكبر هون بس هون فيك تطولها شوي تمام اطلع بالسيارة بيع على حالي Je compte sur ma Suisse préférée pour veiller sur le pays en mon absence. Salut, George. خيي رح نشتاق لكم
à la réouverture de l'aéroport, de nombreux Libanais font le choix d'un départ pour l'étranger. Selon les experts, ces désertions seront sans conséquence sur le redressement de notre pays. Tous s'accordent même à dire que 1977 se présente sous les meilleurs auspices pour le Liban. هذا أكبر دافع افتخار لإعادة اللحمة لشعبنا بعد شوية البلبل اللي مر فيها البلد. لهالسبب بروفيسور قمر نحن متكلين عليكم وعلى كل الإكيب وطاقم العمل تاعك. جهودكم جهود كل الوطن. وبكل تأكيد نموذج الاختراع اللي رح يمثل لبنان بمؤتمر واشنطن رح يفتح لنا الطريق إلى النجوم عبر أجمل صاروخ في العالم. Chère maman et papa, ici à Paris, il fait gris, mais tout va bien. J'ai du mal à profiter de ce que me propose cette ville, car mes pensées vont vers vous tous les jours. Je vois la destruction de Beyrouth aux actualités, malgré la paix qui vient d'être annoncée. J'imagine ce que vous endurez. Pourquoi n'envisagez-vous pas de partir? Le projet de revenir vous voir à Noël me semble malheureusement compromis à cause du travail de Selim. Nous vivons toujours chez sa mère. Cela serait compliqué de vous y recevoir, mais nous pourrons trouver une solution. Je vous embrasse fort, rêvant chaque nuit des plats de maman et de la belle voix de papa. Hepcon, Mouna. كل جاهز؟ نعم. سي جوزيف. أربعين. خمسة وأربعين. خمسين. مبروك يا جماعة. أخيرا. Joseph, il n'arrête pas. Il rentre souvent tard. Mais les projets avancent bien. Vous viendrez assister au lancement, n'est-ce pas? Non, tu sais, ça va être très compliqué avec les enfants, l'école. Ah, je comprends. Embrasse Georges et les enfants. Salut, Amal. مرحبا، احنا قوات محافظة على السلام. تفتيش. فتشوا الغرق. يعني إذا ما مخبين أسلحة تقيلة ما في داعي للخوف. المي مقطوعة؟ Cette fois, c'est bon. Il reste encore quelques réglages à apporter au moteur, mais oui. Si tu veux, à la veille du lancement, on ira faire un tour tous les deux. يا شباب شو صاير ما بدنا نحط على ثلاثة
قد ايه عم تعطي عندك؟ 130 130 معلي على 4:30 وهلا sur les lieux, les forces du maintien de la paix veillent à ramener le calme dans la ne va pas y retourner. J'ai eu Walid au téléphone, tout va très bien. Ils sont déjà sur place. Tu ne veux pas attendre quelques jours qu'on sache ce qui s'est passé? Ce serait plus prudent. Surtout pas. Toute l'équipe compte sur moi, je ne peux pas les décevoir. Tu es complètement inconscient. Peut-être que ce matin-là, toute l'attention de ces mois derniers nous a rattrapés. Sinon, je ne pense pas que tu m'aurais répondu que j'étais trop égoïste pour comprendre que le pays avait besoin de toi. En d'autres circonstances, je ne sais pas non plus si j'aurais parlé de ton orgueil, de ta folie de grandeur ou de ta mégalomanie galopante. Oui, c'est vrai. Je suis sans doute allée un peu loin. Mais jamais. Je n'aurais pensé que tu serais ainsi capable de me dire que... Si tu es trop fragile, tu n'as qu'à repartir en Suisse. Pardon? C'est vrai. Va te reposer, ça va te faire du bien.
الأضرار منها كتير كبيرة. ما تعتلها، رح يتأخر الشغل بس شوي. أوكي. يلا. أليس؟ très bien. Y a-t-il un meilleur moment pour s'acheter une piscine? Vous aussi, donnez une nouvelle saveur à votre logement grâce au salon nautique de la piscine de Schlend. Et pourquoi t'achètes une piscine avant d'y... عشرين أدار 1977 فحص المحرك اختبار الثالث لا الرابع Alice, j'ai été maladroit en te disant de partir. Je ne veux plus continuer à t'infliger ça. J'ai peur que... Il faut que tu partes, que tu te mettes à l'abri. En restant ici, tu prends des risques par ma faute. Moi, je ne peux pas... Ma place est ici. C'est peut-être de la folie, ce projet. Ce rêve. Mais je dois continuer... essayer d'arriver jusqu'au bout. Je crains que plus rien ne soit comme avant. Dans ce pays que tu as tant aimé, j'ai honte en voyant ce qu'il est en train de devenir. J'ai honte que tu le vois ainsi. Je crois que je n'arrive pas à admettre que l'endroit où notre amour est né ait à ce point changé. Que notre paradis soit détruit. Que chacun de nous soit responsable et que jamais personne ne sera coupable. Thank you.
خلاص يلا شباب. Vous devrez aller à Chypre en bateau. Ensuite, là-bas, vous prendrez un avion pour Zurich. Malheureusement, la Suisse n'a pas rouvert ses liaisons aériennes avec le Liban. Mais vous avez de la chance, il y a un bateau qui part demain à 14 heures. Et le prochain? Dans 15 jours. Mais si vous le pouvez, ne tardez pas trop. Ce n'est qu'un pressentiment, mais la situation ne va pas aller en s'améliorant. Autre chose? Oui. Je voudrais un visa pour mon mari. Bien sûr. Tiens. On touche presque au but au centre. Ce serait le pire moment pour moi de partir. C'est bien que tu m'aies écouté. Ça va te faire du bien de te reposer. La guerre a gagné. Nous avons arrêté de nous amuser. Nous avons cessé de rire ensemble. C'est parce que nous avons trop ri que nous n'avons pas eu le courage d'affronter nos larmes. Sans regret. Emporte uniquement avec toi les plus beaux morceaux de notre histoire. J'aimerais pouvoir te détester pour m'en aller sans regret. Mais plus j'essaie de comprendre le désastre de notre histoire, moins j'y parviens. Chaque mot que j'écris me fait penser qu'on aurait pu continuer à vivre, à créer, à notre façon, malgré tout, des moments magiques. Mon amour. Thank you.
حبيبي.